Salut, et oui, on se retrouve encore une fois pour une partie de pêche à la truite. C'est bientôt la fin avant l'ouverture du brochet, donc on profite. Dès qu'il y a un petit rayon de soleil, on y va. Donc je suis avec Yann, on est parti pêcher dans les Pyrénées, et puis on va essayer de toucher des poissons, pêcher essentiellement en Ryuki. Donc moi je vais prendre des tailles 70 et 80, et voir bah, si on peut déclencher quelques beaux poissons. Donc voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, je crois qu'elle fait harponner. Voilà, elle est prise au-dessus de la tête. Je pense que je vais la décrocher. Tu veux prendre l'épuisette? Ah là là, là là. Non, sur le fond. Oh, le crâne. Comment est-ce qu'on peut s'harponner comme ça? Bien. Allez hop. Tourne la caméra. Ouais. Hop, 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 hop. Ouais, je suis bien parti là. Voilà. Et voilà, l'autre coup, il y avait vraiment moins de débit, quoi. C'était vraiment plus pêchable. J'arrivais à pêcher limite presque en face. Hein? Ah ouais. J'ai pas osé allumer la caméra de peur de la décrocher. Ah. Là, devant moi, à 3 mètres, 2-3 mètres. Et avant, toi, je m'étais accroché. Je dis merde, je croyais que c'en était une et puis. Superbe fiche encore. Allez. Reprends tes esprits, ma belle. Voilà. Allez, ciao ma fille. Super.
Poisson! Putain, prends le courant! Elle est prise dans l'arbre, dans l'eau. Elle est dans la ronce. Tu peux venir m'aider? Ah, fais chier. Elle a la tête hors de l'eau. Je sais pas si tu pourras la voir avec la petite épuisette. Elle est là devant toi, là-bas. Au bout de la ronce, dans l'eau. Et j'ai mon leurre qui est accroché, je pense, dans le... Il y a trop d'eau ou pas? Elle a l'air d'être jolie celle-là, non? Par contre, les tripes, ils s'accrochent dans les petites mailles de l'épuisette, j'ai galéré. Au pire des faits, l'émerillon. Ou coupe le fil, t'embête pas, hein, je le referai. T'as fait une arc? Ah, c'est bien! Ah, je l'ai tapé en face, elle, hein! Hein? Ah, dans la ronce. Oh merde! Putain, c'est un pavé, celle-là! Oh, c'est bon. Oh, je vais s'en sortir. Confiance. Allez. Belle truite de 37. Allez. Ouais. Allô? Ouais, je t'ai appelé. Attends, j'ai une truite, je suis en plein combat là. Et je suis bien plus bas, je suis bien plus bas. Tu as 100 mètres du barrage à peine en bas là. Ouais, attends, je te laisse. Il faut que je rembobine. Pas évident de faire un combat et être au téléphone. Elle est en dessous là. Comment je vais pouvoir l'attraper à la main? Je vais pas pouvoir la dropper là.
faut que je l'attrape là. Ah, elle est piquée sur le front encore. On va laisser le téléphone et la boîte. Oh la vache. Elle se défend. Hein. Trip qui s'est défait, c'est mal barré. Waouh, bouge plus. La canne elle est prête à tomber dans l'eau. Super. Belle fario. Décrocher ça, voilà, ça t'es peinard. Voilà. Un joli petit poisson encore. T'es là? Ah, j'ai fait le tour en fait sur le chemin et j'ai traversé d'un coup en fait. Toi qui as visé ? Ouais. Bah ouais, je savais pas où t'étais. Voilà. Je vais lancer, je vais lâcher comme ça. Allez. Super. C'est mignon ça. C'est mignon. Elle monte pas. Hein. Dans le courant là. Pff. Elle part complètement à gauche, complètement. Tu la vois pas toi devant toi en bas, au bord là? Non, ça remonte. Ah ouais? Ah oh ouais, c'est l'arc-en-ciel. Non, non, c'était une fario. Mais c'est de la dropper, celle-là. Bouge pas. Aïe, aïe. Ah, le trip dans la main. Ah. Bah, elle a déjà un fil dans la gueule. Elle a un hameçon simple en plein sur la langue. Elle pisse le sang, je vais la garder, c'est une arc. Wow! Wow! Putain, elle prend le courant, putain. Oui, je t'ai dit. Je l'ai pas encore sorti. Hein. Passe à droite. Oui. Là, elle essaie d'arriver ici. Là. Elle est belle, hein, putain. Ah, faut que j'aille l'attraper maintenant. Ça va être autre chose.
Ah, tu restes là, je vais venir là. Allez, on va relâcher cette petite truite. Ouah, ouah, ouah. Surtout faire gaffe à moi quoi, si je tombe dans l'eau, ça va pas le faire. Allez.